Salam! Une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter un jeu éducatif que j'ai trouvé sur internet, pas trop cher, que j'avais acheté pour une de mes petites élèves, qui a 5 ans, pour lui apprendre en fait la bonne prononciation des lettres, enfin, pour qu'elle puisse s'entraîner à la maison, et aussi pour certaines sourates. En fait, je voulais juste vous montrer à quoi ça correspond parce que moi je suis pas trop satisfaite, notamment au niveau du son. Je trouve que le son il n'est pas très clair. Quand on apprend en fait la langue arabe, la pr bonne prononciation, c'est important en fait que le son soit vraiment clair. Donc je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble pour que vous fassiez votre propre idée avant de l'acheter. Donc là en fait vous avez toutes les lettres de l'alphabet. Quand vous appuyez dessus, ça vous donne le son de la lettre. Et là vous avez les sourates en vert. Et en orange, en fait, vous avez les doigts. Donc si je prends une lettre au hasard. Voilà, donc ça c'est le son, je trouve pas qu'il est excellent. Voilà, donc pour les sourates par exemple, on va en prendre une. Sourate An-Nas par exemple. Donc le son en fait diffère hein, selon qu'on soulève la tablette ou qu'on la pose à plat. Je vais vous montrer pour l'alphabet. Pour les deux A, je vais vous en montrer un aussi. Donc ça, c'est... Voilà. Voilà, donc là, le son, c'est le même. Hein. Donc voilà, c'était juste pour que vous fassiez une idée. En fait, vous avez aussi un test ici, qui est pas mal. Hein. Ça vous pose... Voilà. Donc là, en fait, on vous demande en fait de retrouver la lettre. Hein, et d'appuyer en fait dessus. Le problème, c'est qu'en fait, le son, il est vraiment pas terrible. Donc là, c'est signe, donc ça va. Alors, R, ça veut dire très bien. Donc là, j'ai pas compris le son. Donc, voilà. Donc après, c'est il faut bien comprendre le son. Et c'est ça, en fait, le problème. Donc voilà, c'était juste pour vous donner, en fait, une idée avant de l'acheter. Moi, personnellement, voilà, si c'est à refaire, je ne le ferai pas. Je ne le rachèterai pas. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres qui sont de meilleure qualité, mais bon, après, pour ce prix-là, il ne faut pas non plus être trop exigeant. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit retour dessus. Salam!